Salut, c'est Megadriver, c'est sur le jeu Tour de France 2017, la suite de mon Pro Team Megadriver Cycling Team, saison 2021, niveau de difficulté légende, avec les légendes dans l'équipe, on les voit ici, et avec la concurrence des légendes, il y a l'équipe des Bernardino, Eddy Merckx, etc. en face de nous. Nous, on est avec Louison Bobet en leader, qui a déjà remporté le Triptyque Tour cette saison devant Eddy Merckx, et là, il vient de passer en tête du Dauphiné à l'issue de la sixième étape. On approche des deux dernières étapes. Les deux dernières étapes de montagne de ce Dauphiné. Bobet, il a 34 secondes d'avance, je crois, sur Merckx, un petit peu plus sur Bernardino. Et on se dirige donc tout droit vers les étapes reines de ce Dauphiné. Ça va être décisif. Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Plusieurs cols et une arrivée au sommet vous attendent. C'est une étape clé pour le classement général. On va devoir défendre le maillot jaune. Ça va pas être facile, notre avance n'est pas énorme. On peut viser une place parmi les 5 premiers aujourd'hui. Bonne journée les gars, allez allez. Alors, on pourrait viser une place dans les 5 premiers avec Bobet. Donc ici, c'est Saint-Gervais. Ça se termine par une arrivée au sommet, cale catégorie 1. Et l'étape finale, ce serait Saint-Jean-de-Maurienne. Ok. Donc je pense que c'est surtout à Saint-Gervais que ça va se jouer. Saint-Jean-de-Maurienne, je pense qu'on peut tenir largement. Tandis que Merckx, Hino et Coppi sont identifiés par le jeu comme étant les meilleures chances de victoire sur cette étape, nous on a la très mauvaise surprise de voir Louison Bobet en mauvais état de forme, et je crois que je le craignais en effet. On avait eu quelques bons états de forme sur des étapes précédentes, mais pas encore de mauvais. Et bien c'est pour aujourd'hui, pour l'étape reine avec l'arrivée au sommet. Ça va être dur, hein. Il va falloir que Zoutmelk nous aide bien pour conserver, essayer de conserver ce maillot jaune. En Amoser, Koenig, Voigt. Alors, comment faire? Moreno, il peut nous aider, lui aussi. Est-ce que Koenig pourrait tenter peut-être? Ouais, j'ai deux bons coureurs là pour nous aider dans le final. Koenig, peut-être un point d'appui, peut-être une échappée. Messieurs, bonjour. Avec tous les cols à franchir au cours de cette étape, il ne fait nul doute que seul un grimpeur de grand talent pourra s'imposer aujourd'hui. C'est le kilomètre zéro. Allez, on va essayer de s'incruster un petit peu. Alors qu'on voit. C'est Hino qui a le maillot de. Le maillot vert ou c'est Merckx? Je sais pas trop. Allez, bonne sortie pour Léopold Koenig. À l'arrière, ça veut suivre. Hein. Il y a Tim Wellens par exemple, qui est intéressé pour revenir. Qui c'est qui nous a rejoint? Luis Leon Sanchez. D'accord, très bien. On va se mettre dans sa roue d'ailleurs. On a une minute d'avance. Je suppose qu'on peut tout simplement, tranquillement, demander à quelqu'un d'autre plutôt qu'à... Tiens, Moreno va protéger Louison Bobet plutôt que Robbie McEwen. Ça sert à rien. Toi, tu restes tranquille, mon gars. Et donc, on va se positionner, tiens, par là. S'il se passe rien d'ici là, je reprends la main à peu près au milieu de l'étape. On s'y retrouve donc, destination atteinte au col de la Côte Fraye. On a Costa, Sanchez, Tim Wellens, qui c'est là-bas à côté l'auto jumbo. C'est Bennett. Ok. Bon. On est pas mal, 8,45 d'avance à 60 km de l'arrivée avec tout ce qui reste à monter encore. Je sais pas hein, si ça va être suffisant bien sûr pour que cette échappée est au bout. Derrière, ça se passe plutôt bien. Tiens, toi tu vas prendre ton ravito de bleu ainsi que Albacini. Et on va... Moreno, il protège toujours Louison Bobet. Accélérer un petit peu. Encore 5 km et les hommes de tête pourront se disputer les points de la montagne. Un équipier est en train de perdre le contact.
Alors, Mi McEwen, il n'en peut plus. Qu'est-ce qu'on donne là derrière? On va donner peut-être un peu de ravito à tout le monde. J'ai le bleu. Oui, Moreno, il en a particulièrement besoin. Donc ça va me mettre à Moser, tiens, de protéger Louison Bobet. Ce sera mieux peut-être. Les gars, avec toi, accélère le tempo. Ils vont essayer de jouer les gars. Ah ouais, d'accord, bon, ils sont partis, ok. À la lutte pour le classement en maillot à poids, qui va pas nous intéresser, nous. Il n'y a plus que 5,41 d'avance. Hein. Et oui, le groupe maillot jaune, il n'y a plus que 64 coureurs. C'est bon, à la faveur d'un bon virage, on est bien revenu dans le groupe. Qu'est-ce qu'on fait là? On va regarder ce qui se passe derrière. Bon, ça a l'air d'aller, hein. Le col des Aravis est classé en troisième catégorie. Il y aura donc 2 et 1 point à marquer pour les deux premiers qui franchiront son sommet en tête. Alors, allez, une petite attaque de Leopold Koenig alors qu'on a 5 minutes d'avance sur le peloton. Oh, c'est revenu derrière. Alberto Costa, il a réussi à revenir sans trop de mal. Par contre là il coince un peu. Luis Leon Sanchez aussi je crois là qui coince à présent. Alors on en remet une couche. Ah non, j'ai mal joué là, je me suis mis en défaillance. Bon, là, il va récupérer quand même. Est-ce qu'il peut prendre la position aérodynamique? Oh là là, oh là là, oh là là. Quel débile. Il n'y a plus que 32 coureurs hein, dans le groupe maillot jaune. Il faut faire gaffe aussi à ça. Allez, récupère. Position aérodynamique, si tu veux bien la mettre, voilà. Ça passe juste, mais ça passe. Ça passe juste, mais ça passe aussi. Ah, il peut prendre son ravito. Ah, elle n'est pas évidente cette descente, hein, quand même. Peloton à 5 minutes. Bon, on va voir comment ça se goupille. Je suppose qu'ils vont revenir de toute façon derrière. Alors, on va regarder nous derrière comment ça se passe. Luison Bobet, il est pas mal. Tout le monde a pris son ravito. Allez. La tête de course entre dans la zone de ravitaillement. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, non, Luison Bobet, j'ai eu peur. C'est Moreno qui était à la rue. Bon, Moreno, tu peux arrêter de... Pourquoi il se met toujours en... Il se met toujours en protection alors qu'il a arrêté la protection. Puisqu'il a été décramponné du groupe. 4 minutes 50 à présent, d'avance. Ça repart à la hausse avec 5 minutes à présent. À 22 km. Moreno a réussi à rentrer d'ailleurs. Ça veut dire que l'équipe va se jouer la gagne là. Ouais, alors là il y a un petit sommet. Derrière ça a l'air de bien se passer. Bon, on va demander. On va lui donner son rouge, son bleu. Mais pas en entier. Juste pour regonfler le truc, là. Voilà. Comme ça, on pourra lui donner un peu plus tout à l'heure, peut-être. Bon, c'est dur, là. Il y a une attaque, là, de Roy Alberto Costa.
Conning. C'est pas mal là ce qu'il nous a fait. Allez, vas-y, prends-le hein, si tu veux. Nous, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Bon, il peut pas. Tiens, un peu de récup ici peut-être. Derrière, ils sont pas loin. Ils sont même là. Hein. Allez, on lui donne la fin de son ravito et on va aller s'occuper de les embobés. Ils sont plus que tous les deux, non. Ils sont là aussi, les autres. Ok. Attention, parce que Louis Bobé, lui, il est quand même en... Il a perdu un peu de bleu. Moser. Tiens, toi, tu vas venir nous protéger aussi, Zotmelk. Voilà. Et on va donner un petit ordre quand même à Opelkoning. Bon, pour le moment, il est bien. On va voir comment il sera tout à l'heure, s'il faut le faire attaquer, s'il faut le... ce qu'il faut faire quoi avec lui, mais là à 9,5 km de l'arrivée, c'est bien avec le maillot jaune actuel qu'il faut prendre la main, parce que les légendes sont à l'avant, nous on n'y est pas. Si ça part, on risque d'avoir un peu de mal. Moreno, est-ce qu'il lui faut son ravito? Il l'a déjà pris. Allez, on va déjà donner le ravito à Moser et Zotmelk. À nouveau protégé, Louis Bobé. Ah là là, on se fait freiner là. Le maillot jaune qui est pas bien placé là, hein, c'est clair. Conning, ils sont plus que deux. Conning et qui? Et Costa. Peut-être que ça peut fonctionner tout seul hein, pour Conning. Allez, un petit peu peut-être de récup là. Ça y est, on revient à l'avant. Au moment où Eddy Merckx attaque. Ah non, on se fait embêter par Amador là. Ah ouais, faut réagir tout de suite, je suis d'accord. Alors toi, tu viens nous protéger et toi... Non, c'est l'inverse. Toi, tu vas rouler à 100. L'échappée augmente son avance sur le groupe maillot jaune. Accélération à la tête du peloton, il faut être vigilant. Eddy Merckx, Froome qui attaque. Avec Quintana, tiens, ça fait plaisir de les voir un petit peu parce qu'ils étaient pas trop représentés. Hein. Encore 5 km pour les hommes de tête. Oh Merckx, regardez-moi cette attaque d'Eddy Merckx. 6 km 2. Là ça se joue et malheureusement j'ai plus mes coéquipiers. Hein. Inarrêtable, Eddy Merckx. Et nous, en plus, on est mal en mauvais état de forme, donc ça va être chaud. Hein. Allez, Nairo, peut-être. Nairo Quintana, Richie Porte, qui peut peut-être nous aider un peu. Allié Circonstance. Non, non, ils vont pas pouvoir nous aider. On va se débrouiller tout seul avec Louison Bobé à 4,5 km. On essaye de revenir sur Eddy Merckx, c'est dur. Hino, lui, il a pas bougé, on dirait. On revient sur Tim Wellens. C'est dur, là. Hein. Et il repart. Il nous a vu arriver, il repart. Nous, on s'est fait bloquer par Moreno, par Tim Wellens. Léopold Koenig, il en est où, lui? On va regarder, quand même. Ah, ils sont deux. Ouais, allez, peut-être qu'il va l'avoir à l'usure. Ah, c'est dur, là. Hein. Allez, ça y est, ils reviennent enfin, mes coéquipiers. Mais venez, là, les gars. Merde. Ah non, c'est pas mes coéquipiers, c'est ceux de... C'est ceux de Eddy Merckx. On est à moins de 2 km avant l'arrivée. Ah, il est là, Hino.
Conning, il est tout seul, c'est pas mal ça. 2 km de l'arrivée. Faustocopie qui en met une là. Oh là là, l'équipe des légendes impressionnante là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, on va pas pouvoir lutter. Eddy Merckx s'envole vers la victoire et probablement vers le maillot jaune là. Même les autres là, on peut pas les accrocher, les Hino, Coppi, Pantani. Eddy Merckx il est fort, Froome et il est là. Attention, le dernier kilomètre. Léopold Conning qui au moins va s'imposer, c'est déjà ça. Ah, on peut plus. On peut plus. Ah là là, regardez-moi comme c'est pénible cette arrivée. Ah non, j'espérais qu'on puisse avoir le même temps que eux, mais ça ne sera pas le cas. La ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Léopold Conning. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Alors, on a perdu le maillot jaune, c'est sûr. Est-ce qu'il nous reste du maillot distinctif? On va voir ça. A priori, non. Bravo les gars, félicitations à vous. J'espérais bien qu'on joue les premiers rôles, mais de là à gagner cette étape, vous avez réalisé une superbe performance. Bravo pour cette victoire. Ouais, ouais, mais bon, quand on perd le... Regardez, on est... Merckx à 49 secondes, il nous prend 1 minute 10, le Saloupio, plus les bonifs. Hein. Il fait deuxième de l'équipe, de l'étape. Regardez l'équipe des légendes, Bartali, Hino, Coppi. Ah ouais, j'avais cru qu'il y avait Pantani à un moment, mais non. Donc, c'est chaud. Il faut bien le dire, c'est complètement chaud. Ça nous donne quoi? Au niveau du général, Merckx, 42 secondes devant Louison Bobet. Comment pouvoir lutter là? Ça va être très très délicat. Ouais, là, je sais pas trop comment on va pouvoir faire. En tout cas, on est entouré par deux légendes, trois légendes du Moulin Froome, ils sont bien là. Pour les maillots, Tim Wellens à la montagne, c'est clair. Hino toujours en tête pour le maillot vert. Bob Jungels, le maillot blanc, l'équipe la Dream Team devant la Mega Driver Cycling Team. Atapuma à la combativité. On a gagné l'étape, ça donne un petit peu de récup, on est presque à bloc. Allez, on va aller se positionner sur la prochaine étape. Bonjour à tous, c'est la dernière étape les gars, c'est de la montagne aujourd'hui. L'arrivée n'est pas jugée au sommet d'un col, mais cela reste un parcours difficile et une journée importante pour le classement général. On peut viser une place parmi les trois premiers aujourd'hui. Bonne journée les gars, allez allez. Alors parmi les trois premiers, effectivement... Avec Louison Bobet, je suppose qu'il va nous l'indiquer, ça va aussi dépendre de sa forme. Alors, Louison Bobet, pour renverser ce Dauphiné, il est en bonne forme, c'est bien prendre le maillot jaune, et oui, carrément, c'est l'objectif, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme objectif aussi? Peut-être placer quelqu'un dans l'échappée du jour, un point d'appui. Ça pourrait être pas mal. Finir dans les 10 premiers de l'étape, peut-être Moser. Mesdames et messieurs, bonjour. L'étape proposée aujourd'hui devrait faire plaisir aux grimpeurs. Avec la montée du col du Glandon et l'ascension des lacets de Montvernier dans les 60 derniers kilomètres, bien toutes les conditions sont réunies pour leur permettre de passer à l'offensive aujourd'hui. Je suis en train de me demander si ça vaut le coup. Mais ouais, quand même, peut-être si jamais j'ai besoin de quelqu'un sur le plat, dans le final, là, avant les lacets de Montverdier,
Si jamais on a fait un petit écart, je sais pas trop. Les coureurs seront tout de suite au cœur de l'action. Est-ce que je me grille une ressource importante qu'est Moser là ou pas? En tout cas, il est parti. Bientôt une minute d'avance. Allez, ça va être notre plan. De toute façon, il va falloir tout tenter aujourd'hui. Hein. Allez. Il est parti. Moser, pour le moment, tout seul. On va se retrouver un peu plus loin. Regardez, 160 coureurs. Il y a eu beaucoup d'ordres. Hein. On se retrouve plus loin dans cette étape. Les échappés entament l'ascension du col de la mort de 3 km avec une pente de 8,4%. Alors, toujours Tim Hollens dans ce groupe d'échappés avec Moser, bien sûr. On va regarder qui y a d'autres. Luis Sanchez, Costa, ben c'est toujours les mêmes. Bennett, Geraint Thomas, tiens. Geraint Thomas, ouais, tous ceux-là, ils sont mal classés. C'est Moser, le mieux classé à 9,49. Sait-on jamais, hein. Si l'échappé va au bout, peut-être que Moser, il pourrait prendre le maillot jaune. J'y crois pas trop, mais bon. Alors... on mène ce groupe, on est bientôt à 2,7 km du sommet. Bon. Ça me semble pas mal. Pour le moment, rien de particulier à signaler. Je propose de vous retrouver dans le color catégorie, hein, parce que là, on va juste regarder chez nous. On a toujours Albacini en protection, mais il commence à souffrir. Hein. Tiens, comme McEwen. Moreno aussi, ça mériterait peut-être son petit ravito de bleu. Et voilà. Allez, on se retrouve plus loin. Alors, l'échappée dans le col du Glandon, 58 km de l'arrivée. Tous encore là. Moser, bon, ben, il fait ce qu'il faut, hein, pour être un éventuel point d'appui. Mais derrière, c'est chaud. Regardez, j'étais obligé de donner des ravitaillements à Voigtkoenig Moreno. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va demander une protection pour Louis Embobé de la part de Zotmelk, qui va forcément nous aider là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce maillot sur Bobé. Soit il avait le vert, soit il avait le jaune, principalement d'ailleurs le jaune. Boyd qui essaye encore de nous protéger. Oh, regardez devant. On va récupérer Moser et les compagnons d'échappée. Oh, mais je rêve. Ça m'énerve quand les coureurs qui n'en peuvent plus viennent bloquer ceux qui roulent derrière. Ah, voilà ce que ça nous a fait. Regardez Amador aussi. C'est les Movistar là, hein, qui craquent. Un à un, les coéquipiers de Nairo Quintana. Alors que les légendes, hein, elles sont loin de craquer, bien évidemment. Allez, avec Zotmelk, on va essayer de se positionner à l'avant. Et regardez, l'échappée qui vient de se faire reprendre, l'air de rien. Avec le groupe de tête. Bon, j'en ai marre, j'arrive pas à passer. Rigoberto Urán, écarte-toi s'il te plaît. Si on pouvait se positionner à l'avant. Et là, vraiment, ce que j'aimerais savoir, c'est à combien on est du sommet. Allez, Moser, tu peux venir nous aider maintenant, quand même. Il est où? Il est où, ce Moser? Voilà, viens aider Bobé. Parce que Zotmelk, il est pas bien, là. Hein. Tiens, pour Dani, il craque. Allez, Zotmelk, Moser, c'est pas mal. Tout ça, ça nous va bien. Aïe, je regardais plus, là. Petite descente là, d'après ce que j'ai compris. Moser en position de rouleur qui vient nous aider. Ça va redescendre un petit peu là. Allez, une petite descente bienvenue. Position aérodynamique, s'il te plaît, Louison. Ça nous a permis de récupérer un petit peu. On va voir comment se comporte l'équipe des légendes là à présent.
Est-ce qu'ils ont envie d'accélérer le rythme ou pas? Pas trop, j'ai l'impression. Il n'y a plus que 22 hein, dans ce groupe. Alors, Moser en protection. Qui a besoin de son ravito? Tous. Ok. D'accord, maintenant, on va demander un petit relais à 90, tiens, de la part de Zotmelk. Allez, tu te ravitailles et surtout, tu viens faire ton petit relais. Allez, Zotmelk, viens ici. Passe de ce côté-là, tu peux. Il n'arrive pas à se dégager pour pouvoir passer, c'est dommage. Les légendes pour le moment restent tranquilles. On perd du Pantani, mais il en reste encore beaucoup. Ino, Merx. Il doit rester Faustocopi, Bartali. Je rêve, c'est carrément Merx qui fait le tempo. Et Zotmelk, il est là. Ah non, c'était pas Merx, puisque Merx il est en jaune. Allez, on s'est mis dans la route Zotmelk, mais ne t'excite pas, pourquoi tu crames ton rouge, débile? Il est derrière Bartali. Ah mince, j'en ai un qui est mal derrière. C'est Zotmelk. Non, c'est Moser. Allez, prenez votre rouge, les gars. Ça y est, il peut revenir Moser et nous protéger un petit peu. Pendant qu'on donne ce tempo, attention, qu'est-ce qui se passe là derrière? Il lâche quelques longueurs, Eddy Merckx. Je sais pas trop si c'est volontaire, s'il est dans un mauvais jour, si c'est qui contrôle tranquillement peut-être aussi. Ah, merci relance là, mais il est un peu isolé, c'est bizarre. Alors, on va peut-être se calmer un petit peu et demander simplement un petit 80 maintenant. Ok, je vais relayer. 80 pour Zotmelk, ça me va bien. Ino qui arrive à nous suivre sans trop de problèmes. On est leader virtuel, allez, on continue comme ça, allez. Oh, regardez. Regardez, Bernard Ino, il est pas au mieux là. Il faut rester concentré. Hein. La Mega Driver Cycling Team qui est passée à l'offensive. Seulement, on n'est toujours pas à 5 km du sommet. C'est ça qui m'embête. Hein. Je dois l'avouer. Et Zotmelk qui va craquer, ça y est. C'est maintenant. Allez, on se met dans cette position. Avec le curseur. Régulateur de vitesse, le curseur. Juste un petit peu au-dessus, le bleu, là. Ah merde, il n'en peut plus aussi, Moser. Bon, mais tant pis, hein. Maintenant c'est parti pour Louison Bobet tout seul. Alors, Moser, toi tu vas... Qu'est-ce qu'il dit? Attendre le groupe suivant. Ouais, je sais pas, non, j'ai pas envie. J'ai envie que tu... Attendez, je suis mal positionné, voilà. Lui, je veux qu'il finisse sans s'épuiser. Zotmelk, sans s'épuiser, voilà. N'insistez pas, vous avez fait votre boulot, les gars. Ino à 41 secondes. À une 17, on retrouve le maillot jaune. Eddy Merckx, qui n'est peut-être pas dans un beau jour, je ne sais pas trop. Allez, ne vous épuisez pas, les gars. Là, ça va redescendre un petit peu, peut-être. On continue hein, sur ce rythme régulier avec... Ah, il revient. À une 10, une 11, là, le maillot jaune. Et toujours pas les 5 km de ce sommet.
Ouais, ça revient. Hein. Le maillot vert, il est là. C'est Richie Porte hein, qui revient aussi. Ça y est, on est à 5 km du sommet. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Le maillot jaune a été mis en danger, mais il est de nouveau en tête du classement général. Ah, ça y est. Merci revient finalement. Mais bon, c'est un combat psychologique aussi, peut-être, on va voir. On avance sur le groupe des favoris de 30 secondes. Allez, on y va. Il va faire rouler son équipe derrière toi, mais faut tenter. Allez, faut récupérer là, au maximum qu'on puisse. Ah, il est là, hein. Il est là, le maillot jaune. On va essayer de ne pas le laisser rentrer à 2,5 km. Si je prends peut-être un petit peu de ravito. Allez, on attaque, allez, on bouge. T'es à 2 km du sommet. Allez, encore un effort. Qu'est-ce que ça dit là? Ah merci, il contrôle. Il contrôle, regardez, on aurait dit qu'il n'était pas bien, mais il est bien. Bon, alors derrière, porte à une 0,4. Ah ouais, les autres ils sont loin, je pense qu'ils reviendront pas. Oh là là, cette guerre des nerfs là entre ces deux grands champions, Eddy Merckx. Et notre Louison Bobet. On peut peut-être se permettre d'attendre là. Enfin, d'attendre. Pas d'attendre. De gérer, parce que derrière, ça reviendra certainement pas. Les hommes de tête ne vont pas tarder à basculer dans la grande descente. Allez, Louison. Est-ce qu'on peut récupérer du temps sur Eddy Merckx dans la descente? Je ne sais pas. Hop, 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 il va falloir faire une descente de feu. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Allez, je vous laisse en direct là. Hein. C'est quand même un moment assez important. On relance, il est là. Il est là, Eddy Merckx. On sait que c'est dur de leur prendre du temps dans la descente. Ça va sûrement se confirmer. On va essayer de faire une descente parfaite, ouais, mais il revient tranquille hein, à chaque virage. Non, mais c'est surtout que là, ça descend plus. Ouais, il est là. Hein. Il est bien là. Allez, si on relance ici, sait-on jamais. S'il prend quelques centimètres d'écart, non! Que c'était pas bien joué, ce virage. Alors voilà, on voit la petite tête d'Eddy Merckx, là, juste à côté de nous. Bon, bah maintenant, il faut se concentrer sur récupérer du bleu. Hein. Mais pourquoi il veut plus prendre sa position aérodynamique? Voilà, ça y est, s'il te plaît. Tralala, quand je pense comment il a joué le bluff, là, il contrôlait en fait le Eddy Merckx. C'était Hinault qui avait l'air mieux, mais non, c'était bien Eddy Merckx le meilleur. Ben, je rêve, il essaie de nous lâcher maintenant sur le plat. Tout va se jouer dans les lacets de Montverdier, ce qu'il y a, c'est que trop court sûrement pour pouvoir faire des écarts conséquents. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on ait encore tout notre bleu, mais bon, tout en ayant bien réussi à écrémer dans le color catégorie.
Ah, c'est quand même sacrément sinueux, hein, ici. C'est une descente pas évidente, mais bon. De là à faire des écarts. Allez, récupère, mon petit. Ouais, forcément, il est là. Hein. Eddy Merckx, indéboulonnable. Les autres, ils sont à 1.33. Enfin, c'est Richie Porte, Bartali, 1.44, ouais. On aura fait mal à tout le monde. Sauf le grand Eddy Merckx qui a réussi à recoller sans trop de problèmes. J'ai cru un jour sans pour lui, hein, à un moment. Mais ce ne sera certainement pas le cas. 20 km de l'arrivée. Alors. On se met en position de rouleur. J'ai envie de le laisser passer, mais il veut pas. Eh, vas-y, mon gars. Oh, bah écoute, moi je me trace, hein. En te déventant, parce que j'ai pas envie que tu prennes sans souci mon aspiration, mon gars. Porte à une 28. Bon, si on se regarde trop, ça va revenir. La victoire d'étape, ok, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Hein. Allez, là, on se met tranquille. Peut-être pour récupérer un petit peu, si on peut. La Porte, il pourrait revenir à un Bartali également. Voilà, c'est dans 5 km. Donc les lacets, ils arrivent. On roule tellement pas vite que effectivement la Porte, il pourrait revenir avec Bartali. Qu'est-ce qu'il raconte? Allez, c'est ici qu'on attaque. Stop. On arrête pour le rouge. Si un coureur bascule seul au sommet, il réussira probablement ensuite à rallier l'arrivée en vainqueur. Allez, 2,7 km. Là, il faut prendre le bleu. Hein. Ne jouons pas avec, avec le rouge qu'on a plus. Voilà. Alors, Eddy Merckx, il est là, hein, il n'y a pas de souci. On se met au régulateur. Le sommet en tête aura donc la possibilité d'empocher 5 points pour le classement du Grand Prix de la Montagne. Il nous reste 1,9 km, ça va peut-être être un peu dur. Ouais, il revient. Eddy Merckx, il revient tranquille, tout en contrôle. Il fallait bien qu'on tente quelque chose. Hein. S'il pouvait coincer. Eddy, le grand Eddy, le cannibale, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Allez, encore quelques efforts supplémentaires à fournir par les coureurs, puisque derrière le sommet, la descente vers Saint-Jean-de-Maurienne n'est pas immédiate. Eddy Merckx qui va revenir, là nous on va attaquer le rouge. Le bleu, hop. Ah, Eddy Merckx, il est revenu. On aura tenté, mais c'était trop dur. Enfin, trop dur. On avait un mur en face qui s'appelle Eddy Merckx, qui a 3 secondes là, mais bon. Et il y a 5 secondes, 6 secondes, qu'est-ce qu'il nous fait là? Allez, attention, attention parce qu'on va plus avoir de... Attention avec le rouge.
Il est à 10 secondes là, hein. Qu'est-ce qu'il nous fait? Défaillance ou quoi? On n'a pas le temps de se retourner, hein. On y va, nous. Huit secondes pour Eddy Merckx. Attention, ce virage. On essaye de récupérer, on relance un petit peu. Il tente aussi d'accélérer. Oh, il y en a qui était dur celui-là. 12 secondes pour Eddy Merckx. Attention, qu'est-ce qu'il nous fait là? On a récupéré du bleu, 7,9%. Les pourcentages ne permettent plus là à présent. 8 secondes. 8 secondes pour Eddy Merckx, 9 secondes. Qu'est-ce qu'il fait? Il connaît une petite défaillance ou quoi? On va voir ça. Nous, on continue, bien évidemment. Avec les bonifs, ça pourrait être bon. Hein. 2,7 km. Eddy Merckx, il y va à fond, là. Il sprint. Il sprint déjà, je rêve. Ah, il est revenu. Il est revenu, tranquille. Ah, d'accord. Il était facile, Eddy Merckx. Ah, il était facile, pas tant que ça. Hein. Allez, on la gagne, celle-là. Vu qu'il a une petite défaillance, je ne sais pas. En tout cas, on la gagne. Ça ne va pas se jouer à grand-chose. On aura 4 secondes en plus grâce au bonif. Ça risque de pas être ligne suffisant. Ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Louis Zambobé. Bravo à lui. Il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Eh oui, on a réussi à faire douter peut-être le grand Eddy Merckx. Sûrement pas suffisant pour récupérer le maillot jaune, mais c'était pas mal. Ah ouais, on n'a pas d'autre maillot. Je pensais qu'on aurait le vert peut-être, ou le à pois. Félicitations à vous. On faisait partie des outsiders. Vous avez réussi à battre les favoris. Alors, ah ouais. On avait affaire à un grand Eddy Merckx. Même si au bout du bout, là, il a lâché quelques mètres, mais il savait sûrement qu'il avait préservé d'essentiel. 9 secondes et 4. Ouais, ça nous fait 13 secondes de repris sur lui, mais on en avait 34 de retard, donc voilà, ça ne passe pas. Mais il était en excellent état de forme, hein. C'est... Quoique, moi, Bobé, ils m'aident pas alors que j'avais un bon état de forme. C'est quand même bizarrement foutu, leur truc, hein. Il y a peut-être des bugs encore sur les états de forme qu'ils affichent ici, mais enfin, si on en croit ça, excellent état de forme pour Merckx, qui a peut-être eu peur, mais qui est passé, il n'a rien montré. Tout en contrôle à chaque fois, on y a cru, du suspense. Bartali pour les légendes, qui fait 3, 4e, Hino, mais on a fait des gros écarts, hein, avec Merckx quand même, regardez-moi ça. Porte, Coppi, La Sky, Froome, Jakob Fuglsang, Nibali, Quintana pour la Movistar, voilà pour le top 10 de cette étape. Ça va nous donner au général Merckx. Tiens, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris en compte les bonifs. Bon, bref. 29 secondes, on finit. Donc moins de 30 secondes derrière Eddy Merckx pour Louis Zambobé. Merckx qui a pris sa revanche par rapport au triptyque tour sur ce Dauphiné. Bernard Hinault, bien sûr. Troisième. Fausto Coppi, bien sûr. Quatrième. Ensuite, dans les actuels, Porte qui devance Froome. Bartali encore pour les légendes, hein, la quatrième légende dans ce top 10. Dumoulin qui a un peu dévissé là, sur cette dernière étape. Nairo Quintana 9 et Nibali 10. Suif Bardet, Contador, Valverde, bon tout ça on les voit pas beaucoup. Hein. Anctil, voilà un autre les légendes dans le coin. Bon ils sont loin les autres là, les miens, voilà, Zoutmelk et Moser 23-24. Bon, en tout cas, ce qu'on aura fait quand même de pas mal, si je reviens, c'est qu'on a gagné avec Vandenbroek une étape, deux étapes avec Bobé, trois étapes avec Bobé, Koenig quatre étapes, cinq étapes avec Bobé ici. Donc ça nous fait cinq étapes sur huit pour ce Dauphiné. Merckx en aura une. Dumoulin une autre et donc Hino une autre. Bon, ok.
Tim Wellens, le maillot à pois, oui, c'est ça, Bobé, il est troisième. Le maillot vert, Hino, pour deux petits points devant Louison Bobé. Ah ouais, quand même. Bob Jungels, maillot blanc. La meilleure équipe, la Dream Team, forcément loin, loin, loin devant toutes les autres. Et en l'occurrence, la nôtre, le Mega Driver Cycling Team. Et Tim Wellens pour la combativité. Voilà pour ce... pour ce Dauphiné de cette saison 2021 Mega Driver Cycling Team. Je vous donne rendez-vous pour la suite, et la suite ce sera le Tour de France sur ce Pro Team saison 2021 tout en légende. Je vous donne rendez-vous plus tard.